Salut à tous et à tous, ici les Zones MCTV. Aujourd'hui, un nouveau débrief entre Lille et Marseille. Score final 2 buts à 1. C'est parti. Donc, Lille a très bien commencé sa première période avec que des occasions. Heureusement, Mandanda était là. Donc, en première période, 0-0. Et ça s'est débloqué pour les Lillois avec un but de Victor Osimhen, la 51e du jeu. Très bien servi par Jonathan Ekoné entre Caleta-Car et Alvaro. Donc ça, pour l'instant, ça fait 1-0. Puis un mini réveil. Bouna Sarr qui provoque un penalty, mais le penalty sera raté par Valentin Rongier qui n'a toujours pas marqué sous le maillot marseillais. Après, déjà la rentrée de Marlaquais qui a fait du bien, qui a fait beaucoup de bien à Marseille. Déjà, c'est lui qui provoque le corner, qui est à l'origine du corner. Et but contre son camp de Rinaldo à la 66e minute du jeu. Et bien sûr, pour le troisième but, c'est lui qui fait la passe pour Germain. Germain qui fait une passe à Benedetto et MacMignan est battu. Résultat au classement, comme vous pouvez le voir, on est à 10 points de Paris, on est à 12 points de Lille et à 11 points de Rennes. Autant dire que la Ligue des Champions, on la touche. Là, à 10 points de Paris. Et bien sûr, allez. On va essayer de regarder. Voilà. Voilà. Alors, ils sont où, Lyon? Oh! Ils sont à 11e place. Ils sont où, Lyon? Oh, ils ont le même niveau que Nantes. Même niveau que Brest. Bah alors, Olas, on la ramène loin, hein? Avec un match nul de Strasbourg. Ah, ça fait du bien. Défaite de Rennes, défaite de Lille, un nul de Lyon, un nul de Paris. Franchement, là, ça c'est très bien. À domicile, on est quatrième. On va affronter Montpellier dans les semaines à venir. Alors, on va affronter. Ah, ben voilà. Montpellier, 14 mars. Donc, on va affronter Nantes. Après Nîmes. Après Amiens. Après Montpellier qui sont deuxième au niveau à domicile. Après Classico. Brest. Dijon, Lyon, Nice, Strasbourg, Metz et Reims. Donc, c'est la fin de ce débrief. À vous abonner, à mettre un petit j'aime, à activer la cloche des notifications. Et sur ce, moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!